Nous sommes là pour toi. Je voudrais ce matin te rendre toute la gloire. Toi qui as été le bien-aimé du Seigneur, éternel de toutes les armées. Voici mon frère, voici ma soeur. Me voici devant ta sainte face. Nous sommes là pour que tu nous fasses du bien. Manifeste-toi et bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de nous. Vous avez la salutation du grand frère Jésus. Il me charge de vous dire bonjour et qu'il vous porte dans son cœur. Amen. Ce matin, Dieu a mis à mon cœur un sujet très important. Gardons notre bon témoignage. Il y a de cela deux semaines, nous sommes dans la troisième semaine, le troisième dimanche. Un programme a été initié par rapport aux aiguilles de maison et Dieu a utilisé ses serviteurs. Nous devons aller dans les aiguilles de maison parce que c'est un système qui a été mis sur pied pour l'encadrement des âmes, pour veiller les uns sur les autres. Mais que dit passé, Dieu nous a instruits sur agir fidèlement. Et le texte biblique que nous avons médité se trouvait dans euh, le livre de Trois Jean. Trois Jean, Il y a un seul chapitre. Le verset 1 au verset, au verset 12. Nous avons vu trois personnages qui ont agi fidèlement, qui étaient en face de la fidélité. Et comment ils ont agi. Le premier personnage était Gaius, l'ancien Gaius le bien-aimé du Seigneur. Et après ça, nous avons vu un deuxième personnage qui s'appelle Diotreph. Diotref, Diotref n'était pas bien-aimé du Seigneur parce qu'il était méchant. Il avait un mauvais cœur et la Bible dit que même quand les frères, les personnes, les nouvelles personnes venaient dans la maison du Seigneur, il les chassait. Ce n'était pas un bon frère. Et le troisième personnage, c'est Démétrius. Nous allons lire le verset 12. Verset 1, 11 à 12. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point connu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Dimitris. Tous. Tous, et la vérité elle-même. Vous savez, la vérité, c'est le langage de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Et la Bible dit que tous, dont tous les frères, toutes les sœurs, et même la vérité qui est Jésus, rendent de des bons témoignages de qui Des démitrices. Bien aimé, le témoignage est très important. Le témoignage. C'est pour cela ce matin, Dieu veut nous instruire sur gardons notre bon témoignage. Dis ça à ton frère. Dis à ton frère, garde ton bon témoignage. Amen. Amen. Le témoignage est important. Vous le saurez tout à l'heure lorsque nous allons progresser dans la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire Hébreu, le chapitre 12, le verset 1. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Rejetons tout fado et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. La Bible nous parle de témoignage. La Bible nous parle des témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. À la maison, il y a des témoins. Dans ton lieu de service, il y a des témoins. Parce que tu t'es. Réclamer enfant de Dieu. Tu as dit que je suis enfant de Dieu, je suis bien-aimé du Seigneur. Je confesse la foi en Jésus-Christ. Mais les gens te regardent. Même à l'église, il y a des témoins. Ce matin, nous sommes entourés. Il y a ton frère qui est à ta gauche, il y a ta soeur, ta bien-aimée, ta bien-aimée, ton bien-aimé qui est là, qui te regarde. Comment tu marches Comment tu te comportes Qu'est-ce que tu dis Comment est ta vie C'est important. Au village. Quand nous voyageons, nous allons hein, en Guinée, nous allons aux États-Unis, nous allons au Cameroun, au Gabon, au Togo, au Burkina Faso. Là-bas, tu vas croiser des hommes, tu vas hein, rencontrer certaines personnes, mais par ta vie, ils sauront que tu, en, tu es enfant de Dieu. Mais quel témoignage tu présentes à ces personnes Et cela est très important pour nous ce matin. Nous sommes là parce que Jésus est entré en nous. Nous sommes là parce que Jésus a fait sa visitation. Il nous a visités. Jésus a transformé nos vies. Nous sommes là parce que Jésus a posé un acte dans le cœur de chacun de nous. Et nous disons que nous sommes serviteurs et servants de Jésus-Christ. Mais quel est notre témoignage Est-ce que ce témoignage d'enfant de Dieu que tu es, tu l'as gardé Tu l'as conservé Ou bien tu l'as perdu c'est la question qui reste à se poser aujourd'hui, ce matin. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des témoignages. Gardons notre bon témoignage. Mais c'est quoi Qu'est-ce que c'est le témoignage Le témoignage vient du verbe témoigner. Donc, c'est l'action de témoigner, de servir, de preuves ou l'affection qu'on a, l'affection qu'on montre. L'affection qu'on fait paraître par nos paroles. Une personne qui a vu et entendu peut le certifier. Donc, il peut le témoigner. Si tu n'as pas vu quelque chose, tu ne peux pas le témoigner. Si tu n'as pas vu quelque chose, tu n'as pas entendu quelque chose, tu ne peux pas le certifier. C'est pour cela que souvent on dit Ah, j'ai un témoin. Un témoin oculaire. Cette personne était là quand j'ai posé ce tas. Donc, vous pouvez lui demander. Le témoignage a aussi l'habitude et l'attitude. Donc la conduite, le comportement que nous avons. le comportement peut montrer aux uns aux autres qui tu es en réalité. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que c'est important? C'est important d'avoir un bon témoignage. Oui, l'importance du témoignage, parce que le témoignage nous accompagne partout où nous allons. Ce matin, notre maman Guina est venue au milieu de nous, mais son témoignage l'a accompagnée ici. Oui Si elle a un mauvais témoignage, on ne va pas la recevoir. C'est comme cela vous allez voir que dans, dans certaines familles, certains frères ne sont pas reçus. Certaines soeurs ne sont pas reçues parce qu'ils n'ont pas de bons témoignages. Dit, mmh! Cette femme-là, quand elle vous rend visite, elle vole toutes les assiettes. Quand elle vient, elle casse les verres. Donc, ça, je ne peux pas la recevoir. Parce qu'il n'y a pas de bons témoignages. Vous voyez C'est important. Je me souviens quand je suis sorti du centre missionnaire de formation continue, qui est le CMFC, qui est devenu aujourd'hui l'Ibomi, l'Institut biblique des œuvres mission internationales. J'ai été affecté dans, euh, dans une église qu'on appelle Nziroku. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Précisément vers le sud, le sud, le sud, oui, le sud, et au sud, à l'épée, au sud, mais derrière l'épée, un petit village, un petit village où il y avait cinq minutes de marche pour traverser le village. Un petit village. Donc quand j'ai entendu le nom de ce village, j'ai pensé que c'était en Guinée, une zéro Corée, un Zéro Kou. Donc les gens sont venus me soulever, oh, mes félicitations Pasteur, tu vas en, zéro, en Guinée en zéro. Coup. Je dis, ce n'est pas un zéro coréen, on dit zéro coup. Je vous dis, quand j'ai été affecté, je suis allé, j'ai quitté Abidjan à, à 16h, je suis arrivé à 20h. Il faisait nuit. Je suis entré dans le village, je n'ai même pas vu les maisons. Parce que c'est un village qui n'était pas, pas électrifié. Il n'y avait pas de courant, de lumière. Donc, je suis entré la nuit, et là où. On m'a hébergé, je n'ai même pas vu ici. c'était le lit, le matelas, tout ça là, la toiture. Matin, je me réveille, je suis sous les papots. Les papots, c'est euh, un genre de toit euh, en paille, euh, les feuilles là, et puis c'est tissé. Il dit Ah, comment Moi qui ai fait le centre missionnaire de formation, et puis c'est ici, on m'envoie. Il n'y a pas de réseau. J'avais mon portable, mais il n'y a pas de réseau. Mais si s'il n'y a pas courant, qui va te donner le réseau Et on a fait le culte. Il y avait 20 brebis. Et je demandé au pasteur, mais pasteur, où sont les brebis Il dit, mais tu n'as pas dit que tu vas servir Dieu Voici les brebis ici. Ah! Et je l'ai accompagné. Je vous dis, après des mois de ministère, Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires par mes mains. Dieu a commencé à bénir l'Église. Dieu a commencé à se révéler au peuple de Dieu. Mais Satan va dire que mon ministère doit s'arrêter en zéro coup. Il était encore célibataire, il n'était pas marié. Et Satan a envoyé trois jeunes filles. Elles sont mignonnes, elles sont belles. Hein? Oui. C'est les jeunes filles maliennes. Vous savez, les maliennes, Dieu les a aussi créées. Hein? Le nez bien, hein, bien pointu, les lèvres bien cirées, le visage, et puis vraiment, elles sont élégantes. Elles ont commencé à me persécuter. Elles ont commencé à attaquer mon témoignage. Le bon témoignage que j'ai reçu et que je suis venu communiquer aux frères, aux sœurs, aux bien-aimés du Seigneur, Satan va passer par ces trois jeunes filles-là pour arrêter mon témoignage, pour tenir mon témoignage. À chaque fois, quand je les rencontre, vous savez ce qu'elles font quand mes, bon, Puisque c'est des chemins qu'on en, 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 en emprunte pour, pour se déplacer. Quand elles me voient net, elles font les paroles comme ça. Dieu nous a fait la grâce, nous avons payé un terrain, et puis c'est là on a construit la maison pastorale, et puis le temple était là. Donc, les, les villageois traversent la cour pastorale pour aller au champ, et puis bon, dans d'autres conceptions, concessions. Et là, la cour de leur père faisait face à la cour pastorale. Donc, la maison pastorale était construite comme ça, puis moi, quand je suis dans mon salon, je vois directement dans leur cour. Et c'est là-bas, elle s'arrêtent pour piler leur maïs. Un pile. Et quand un pile, un va comme ça. Ah, j'ai souffert. J'étais fatigué. Je n'en pouvais plus. Il dit Seigneur, si tu ne me délivres pas de cette affaire, ah, ton nom va se gâter ici. <laughs> j'ai attrapé la restauration des femmes. Bon, vous savez, les, les, les Maliens parlent le Bambara. Ou bien, bon, on dit le Dula, mais le Bambara. Donc j'ai dit à la responsable des femmes, maman, actuellement je ne maîtrise pas eh, eh, ce patois-là, eh, mais aide-moi, va dire à ces jeunes filles, je dit « pasteur, je viens. Une semaine, deux semaines, elle ne fait rien pour moi. Je dit maman, tu dis quoi Il dit, papa, j'arrive. Il a laissé la recette de la famille. J'ai appelé le défaut, le recette de la famille. Il dit, papa, va dire à ces jeunes filles-là que ce qu'elles sont en train de faire, ce n'est pas bon. Lui aussi, il traîne. Ah, il est là, il traîne, il traîne. J'ai dit, d'accord, je connais la solution. J'ai pris trois jours de jeûne. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Jésus, c'est à cause de toi que je suis dans ce village. Je suis venu annoncer l'évangile. Si tu me laisses tomber ici, c'est ton nom qui sera gâté. Donc, si tu ne fais rien à Jésus, c'est ton affaire. Après ce moment de jeûne, je ne veux plus voir ces jeunes filles-là. Mais frère, est-ce que Dieu exauce la prière de ses bien-aimés Il va exaucer ma prière. Quand j'ai fini les trois du Jézène, elles étaient trois. La plus grande avait 15 ans. La deuxième avait 14 ans. Et la plus petite avait 13 ans. Et ce sont ces petites filles-là qui tentaient de me persécuter. Pour gâter mon témoignage mais moi je, je, je voulais conserver mon bon témoignage d'enfant de Dieu, de bien-aimé du Seigneur, qui aime Jésus et qui proclame la vie de Dieu aux nations. Amen. Quand j'ai fini mon moment de jeûne, la plus grande, il y a un vieux de 80 ans. Qui est venu la prendre en mariage. Il reste combien Non, non ce n'est pas la 15 ans, mais c'est qui au milieu là. 14 ans. On l'a pris en mariage, un vieux de 80 ans. Après ça, la plus grande qui avait 15 ans, elle a été rapatriée au Mali. Il reste combien Numéro 1, une jeune fille. Et c'est là affectation est venue d'Abidjan pour dire que le pasteur Brout tu a fêté. Parce que je voulais faire quoi Je voulais garder mon beau. Donc je vais pas laisser Jésus si tu m'abandonnes, c'est ton nom qui va se gâter. Il va cisailler toutes les femmes qui sont là-bas. Il ne voulait pas que je le fasse. Ce n'est pas fini. Avant qu'il ne soit affecté, il y avait une femme. Une femme qui avait trois, trois enfants. Elle a été abandonnée, elle a été chassée par son mari. Et au moment où elle m'a affecté, je, je m'a prête pour, pour entrer sur Abidjan, pour aller diriger l'église de Vridi Canal, pour ceux qui connaissent bien Abidjan. C'est l'une de nos églises Vridi Canal. Ce n'est pas loin du canal, le canal de, 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 de Pobouya. Et c'est là elle dit à l'une de mes bien-aimées maman, que votre pasteur-là, il est beau, il est, il est mignon. Votre pasteur-là, j'aime trop son affaire. Je n'aime pas qu'il me marie, hein, mais s'il peut coucher avec moi, c'est bon. Et puis un jour, un soir, on partait diriger une église de maison hein, à 3 km de, de, de ma localité. Et c'est là qu'elle m'informe. Je, je lui ai dit, mais maman, il ne faut pas lui dire que je suis affecté. Hein, quand je vais monter dans la voiture, et puis je vais... On va lui dire que le pasteur est parti. Et c'est comme ça que j'ai échappé. Dis à ton frère, bon témoignage. Le témoignage est important, mes frères, mes soeurs. Mais bien aimé, l'homme ne peut s'en passer du témoignage. Tu le veux ou pas, tu ne peux pas t'en passer du témoignage. Parce que ça t'accompagne. Notre vie en dépend, le témoignage. Le témoignage a le pouvoir de nous faire avancer. Le témoignage a le pouvoir de nous faire échouer. Ah oui? Et quand tu vas dans une, dans, dans, dans une entreprise pour avoir un boulot, on, on va te demander quoi? Ton CV. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Comment tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Quel diplôme tu as? Que, 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 quelles sont tes compétences? Est-ce que tu, 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 tu peux faire notre affaire? On dit CV. Aujourd'hui, pour élire une personne, il faut le témoignage. Mais notre président, le président de la France, M. Macron, les gens ont regardé son témoignage pour qu'il soit là. Dieu tient compte du témoignage. C'est par notre témoignage que Dieu nous jugera. C'est par notre témoignage. Si tu n'as pas un bon témoignage, tu es foutu. Tu es foutu. C'est fini pour toi? Dans Job, le chapitre 1, s'il vous plaît, le verset 7 à 8, Dieu va rendre témoignage d'un homme, de l'un de ses bien-aimés, qui a marqué son époque, qui a marqué sa génération, Job. Oui Elvis 7 à 8. Oui, la Bible déclare, l'Éternel dit à Satan, mm -hmm. d'où viens-tu Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, Est-ce d'une manière désintéressée que Job craigne Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il a Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face du Seigneur. Amen. Dieu va rendre témoignage de la vie de son serviteur. Dieu lui-même témoigne de la vie de Job. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il rend témoignage. Est-ce que ce matin, on peut dire de ta vie qu'il n'y a personne comme toi ici à Villiers Pose la question à ton frère, à ta soeur. Il n'y a personne comme toi sur la terre ici à Villiers Dis-lui dis, dis ça. Posez, parlez, 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 parlez. Est-ce qu'il n'y a personne comme toi ici Est-ce que tu as un bon témoignage Souvent, quand nous venons dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu, ici, dans le temple, on a une manière de vivre. Mais quand on retourne dans les quartiers, dans les églises des maisons, là-bas aussi il y a une manière de vivre. Mais Dieu veut que nous conservons. Chacun doit conserver son bon témoignage partout où il se trouve. Hier, nous étions comme le ressort euh, 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 Wilfrand nous a dit, nous a dit ce matin. Nous sommes allés rendre visite à notre maman. Mais son mari était dans la chambre là-bas. On a demandé à cette maman Envoie ton mari mais par notre témoignage, il nous a reçus, vraiment, on a échangé. Bientôt, il va venir ici. Il était content de notre présence. Mais si on venait avec des, des pantalons déchirés, des coiffures bizarres, hein, mais il ne va pas nous recevoir. Il dit Mais ça, c'était des voyou, voyous, c'est des voyous. Ma femme, où tu es entré là, ce n'est pas bon, sors. Mais il nous a reçus à bras ouverts. À bras ouverts. Bien-aimés, souvent Dieu laisse Satan nous attaquer. Souvent, Dieu laisse Satan nous attaquer. Et cette action est appelée la volonté permissive. Ça veut dire quoi? La volonté permissive. C'est la permission que Dieu donne parfois au diable sur sa créature. Oui? Dieu peut donner l'ordre à Satan. Tape ses fesses. Tape ses pieds. Donne-lui cocota. Ça veut dire tape sa tête. Il peut donner la permission au diable de te chicoter. Souvent, Dieu tolère Satan sans le punir. C'est ça la volonté permissive. Donc tu dois t'attendre à ça. Et Dieu va rendre témoignage de la vie de Job. Job a gardé son bon témoignage. La Bible dit qu'il était fidèle. Il avait la crainte de Dieu. Job était intègre, l'intégrité, il était droit. Et c'est ce qui a fait de Job un homme. Selon le cœur de Dieu, un bien-aimé du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur veut t'encourager aussi à emboîter ce pas. Pour qu'il te porte dans son cœur. Nous sommes la bouche de Dieu. Il a dit de Jérémie. Jérémie a dit, Seigneur, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Il dit, c'est toi, Jérémie, je t'ai choisi. Depuis le sein de ta mère, je t'ai oint. Et je fais de toi prophète des nations. Va et proclame ma parole. Tu verras ma gloire. Mais le témoignage compte. Quand Dieu nous envoie, le témoignage compte. Dieu regarde à notre témoignage. Les hommes aussi regardent à notre témoignage. L'homme tient aussi compte du témoignage. Nous les hommes là, on tient aussi compte du témoignage. Si Dieu regarde le témoignage, c'est que l'homme aussi regarde aussi ton témoignage. Nous qui sommes mariés, nous les hommes, avant de prendre les soeurs, les bien-aimées filles du Seigneur. Vous n'avez pas regardé leur témoignage? Non, non, répondez-moi s'il vous plaît. On a regardé le témoignage. Tout à l'heure, il j'étais assis et puis maman, hein, la bien-aimée, soeur, euh, madame euh, Sefon, elle, elle était vraiment. Je l'ai jamais vu comme ça. Et j'ai tapé, j'ai tapé son mari. Il dit, mais est-ce que tu vois ce que je vois? Il dit, pasteur, vraiment, c est, c est, je, je n'ai jamais vu ça. Hein? Donc depuis que tu es marié là, tu vois, tu n'as jamais vu ça. Elle a un hein, bon témoignage, c'est pour cela que Sefon a jeté son filet n'avait pas un bon témoignage mais c'est on n'allait pas marier notre soeur rappelle moi ton nom s'il te plaît à ouéfa le témoignage compte, nous les hommes l'homme tire aussi compte du témoignage marc 55 marc 14, 14 55. 55 les principaux sacrificateurs et tous les sanidrin cherchaient un témoignage contre jésus pour et le il faire mourir et ils n'en trouvaient point ils cherchaient un témoignage pour faire mourir qui Jésus notre Seigneur. Mais ils n'ont pas trouvé des mauvais témoins. Il avait un bon témoignage. pour cela que nous aussi, en tant que ses petits frères, ses petites soeurs, nous devons copier notre Seigneur. Nous devons copier notre Seigneur. Aujourd'hui, l'expression qui remplace le mot témoignage, c'est est-ce qu'il est bien Vous entendez quelque part est-ce qu'il est bien, le monsieur que tu veux nous est-ce qu'il est bien? Ça veut dire est-ce qu'il a un bon témoignage? Dans ton bégré, est-ce que tu es bien? Quand tu es dans le taxi là, tu roules, est-ce que tu es bien là-bas? Il faut avoir un bon témoignage pour avoir des bons clients. Sinon, on dit hé, hey, c'est ce monsieur là, c'est dans sa voiture, tu veux monter? Ah! Il n'est pas bon, hein? Oh, bien-aimés frères et sœurs, quel est notre témoignage ce matin? J'ai connu une maman comme ça, le témoignage d'une maman en Côte d'Ivoire. Cette maman, vraiment, elle était terrible. Elle vivait dans une cour commune. Et cette maman-là, elle avait parlé avec toutes les femmes de la cour. Chaque matin, 6 heures, elle assise devant sa porte. Au seuil, là. Elle a assise les pieds, elle a son cuir dans la bouche, elle en train de se curer les dents. Quand tu lui dis bonjour, maman, elle dit Pourquoi tu me salues même Il te fait quoi Tu me dis bonjour. Il y a quoi Et c'était comme ça, elle a mélangé tout le monde. <laughs> un samedi, le pasteur, son pasteur était en visite et il a fait un tour chez la maman. Quand le pasteur voulait entrer dans la cour, il y a une fillette qui a vu le pasteur elle a couru. Elle était en, en effervescence palable avec toutes les femmes. Ah Et la petite, la fille, elle dit, maman, 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 ton pasteur arrive. Et puis elle fait comme ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Si, pasteur, je m'en fous. Elle n'avait pas un bon témoignage. Quel évangile tu vas communiquer si c'est dans l'église de cette maman-là, moi je ne vais pas là-bas. Et à cause de certains frères, de certaines sœurs, plusieurs ne veulent pas venir quand on les invite. Parce qu'ils ont des mauvais témoignages. Notez ce passage biblique, s'il vous plaît. 1 Pierre le chapitre 2, versets 11 à 12. On va le lire, oui. Lisons-le. Vous voyez, c'est important. 1 Pierre 2, 11 à 12. 1 Pierre 2, 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre et vous abstenez de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il vous visitera. Oui. nous dit, bien-aimés, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Dis à ta soeur, à ton frère, bien-aimé, tu es ma bien-aimée. Tu es mon bien-aimé. Un bien-aimé, c'est quelqu'un qui a un bon témoignage. Une bien aimée c'est une soeur qui a un bon témoignage. Et si tu n'as pas un bon témoignage, tu ne peux pas t'appeler bien-aimé. Tu gâtes le nom du Seigneur. Et à cause de toi, le nom du Seigneur est blâmé. Et tu n'as même pas, quand tu viens à l'église, on dit bon, Quand la pote dit, viens t'asseoir à côté de Non, 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 non c'est là, non, non, c'est là. Mettez-moi derrière là-bas. Pourquoi Cette bien-aimée n'a pas de bon témoignage. Et c'est un frein à la manifestation de Dieu parmi nous. Parce que Dieu règne, mais son règne se termine en nous, les hommes. Il veut passer par toi pour régner il veut passer par toi pour guérir. Quand nous quittons, si nous allons dans les églises de maison, Dieu veut régner par nous pour faire du bien à nos frères. Mais notre témoignage, ça nous discrédit. Et Jésus n'est pas bien vu. On a eu un vieux comme ça, un vieux. Il avait vraiment un beau témoignage. Dans l'une de nos églises de maison, en Côte d'Ivoire. Et ce vieux-là, il avait des problèmes parce que son fils ne voulait pas qu'il qu participe à la vie de Dieu au milieu de nous. Et il avait ce sujet dans le cœur. Il n'arrivait pas à manger. Son fils a dit Si tu ne laisses pas Jésus, je ne te donne plus à manger. Et il allait aux églises des maisons. Puisque ce vieux avait un beau témoignage, il va présenter son sujet. Vous voyez, là-bas, on donne les sujets. C'est pour cela, dans les églises c'est important. Et le vieux a commencé à, à parler en langue. Ce n'était pas la langue du ciel. Mais il parlait, ouais, mais c est, c est, son ethnie était bêtée. Il a commencé à parler. Il dit Lago Sakadi. Ça veut dire Dieu, donne-moi du riz. Dieu, je veux du riz. Lago Sakadi. Donne-moi du riz. Et tellement que c'était fort. Les, gens, les autres frères qui ne comprenaient pas l'ethnie pensaient que le vieux était en train de parler la langue. Donc après après les, les guides de maison, ils sont venus voir le reste. Ils ont dit Non, aujourd'hui, le culte la celui-là, les guides de maison, ça a chauffé. Et il y avait un frère qui comprenait le, euh, le BT. Il est venu voir leur a dit, responsable, hum, C'est que le frère, le vieil a dit là, ça c'est sérieux. Il dit, mais il a parlé en langue aujourd'hui, non Du Saint-Esprit est descendu, c'est pas Saint-Esprit, hein vieil dit que, il a fait, Dieu ne qu'à lui donner du riz. C'est l'âme. rapidement, ils ont convoqué les anciens qui étaient là, ils ont lancé l'appel. On dit, le vieil a un problème, il faut qu'on sauve la situation. Ils ont lancé l'appel, vous les femmes qui allez au marché demain, que chaque femme, si tu payes un, sac, un, un, un kilo de riz, paye un kilo de riz pour le vieux. Et c'est comme ça, quand le secteur, c'est-à-dire l'ensemble des cinq églises des maisons, c'est-à-dire c'est un secteur, ils ont fait cette information, ils ont récolté toutes ces choses-là, ça fait 50 kilos de riz, un sac, avec les condiments, tomates, oignons, tout ça, poisson. Et la cuisine du vieux était remplie. Le vieux a fait la cuisine. Il a mangé et l'a gardé pour son fils. Quand le fils est venu, il a vu que quelque chose s'est passé. La cuisine a changé d'aspect. Il voit tomate, il voit tout le riz. Il dit Mon, mon fils, c'est quel étranger qui est venu ce matin Il dit Papa, mon fils, c'est pas étranger. De... Ce sont mes frères en l'église là. Alléluia là. Mes frères alléluia. Puisque tu dis que vous aller là-bas, mes frères alléluia, c'est eux qui m'ont donné ça. J'ai mangé pour moi, voici bah, pour toi. Quand le fils a vu ça, il est tombé en sanglots. Il a commencé à pleurer. Il dit, papa, je ne savais pas que ton église était bon comme ça. À partir d'aujourd'hui, je me donne à ton Seigneur. Amen. Dis à ton frère, témoignage. C'est important. Il y a un avantage dans le bon témoignage. Quand on a un bon témoignage, bien aimé, il y a des avantages. Tu bénéficies de certaines choses que tu n'avais pas hier. Le Seigneur t'arrose, le Seigneur te bénit, le Seigneur t'utilise, le Seigneur te fait des grâces. Les portes sont ouvertes. Mais quand tu fais le contraire, mais les choses t'attendent. Et tu vas dire, je suis allé dans l'église, on dit, Dieu est là-bas, mais il n'est pas vu Dieu. Mais quel est ton témoignage Exode 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton frère. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton frère. Le témoignage est important, frère. Quel est notre témoignage ce matin Le témoignage est collectif, mais surtout individuel. Il est collectif quand nous sommes ensemble. Ce matin, nous sommes ensemble. Ils diront... Église baptiste, évreie mission internationale de villiers les belles. Parce que tu es dedans. Tu es au milieu de nous. Nous sommes ensemble. C'est collectif. Le témoignage est collectif, mais surtout individuel. Quand tu sors, on n'est pas ensemble dans la rue, on n'est pas ensemble dans les métro. Comment tu te comportes Il est individuel. Il est aussi individuel. Dis-moi, je suis de l'Église baptiste, évreie mission. Mais en tant qu'individu. Est-ce que ton témoignage n'éteignit pas l'image hein, de l'Église que tu fréquentes Ah oui Dans Actes, le chapitre 11, verset 26, la Bible dit que pour la première fois les chrétiens ont été, hein, les disciples du Seigneur, on a dit que non, va changer. Vous ne serez plus des de personnes comme ça, non, non. Vous êtes chrétiens parce que vous suivez Jésus. Le nom de chrétiens n'a pas été donné comme ça. Mais c'est à cause du témoignage. On dit, voici les chrétiens. Mais toi, tu n'as pas un bon témoignage, mais on t'appelle, tu dis, moi, je suis chrétien, je suis chrétienne. Non Nous devons écrire notre temps, c'est-à-dire notre témoignage. Présentement, nous sommes des passages. Tu es en train de passer ton temps sur la terre. Tu vas passer un jour. Je passerai un jour. Mais tu es en train d'écrire ton temps. Tu es en train d'écrire ton témoignage. Quand tu quitteras. La terre, qu'est-ce que nous les frères, les bien-aimés frères et soeurs en Christ, qu'est-ce qu'on va dire de toi Est-ce que, ah, ce frère, il était bien Ah, cette soeur, elle était bien. Il faut que tu écrives ton témoignage. C'est très important. Dans le choix des dirigeants, dans le choix des leaders, dans le choix des ouvriers, il est nécessairement... Où il faut nécessairement le bon témoignage. On ne choisit pas n'importe qui. Ah oui Il faut nécessairement le bon témoignage dans le choix des leaders. Vous avez un syndicat au travail et puis vous prenez quelqu'un qui n'a pas bon témoignage. Il gaspille l'argent n'importe comment. Non, 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 on ne peut pas le choisir. À l'église aussi, c'est ça. C'est la même chose. Les ouvriers, les responsables. Romains 8, versets 17 à 19. Or, oh, si nous sommes enfants, nous mm -hmm. sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes héritiers de Christ. Et nous devons avoir des bons témoignages. Oui, tu es héritier, tu hérites Christ. C'est un bon témoignage. Et puis toi, tu n'as pas un bon témoignage. Être un enfant de Dieu est un témoignage de reconnaissance. Oui Dieu nous a sauvés. Et en guise de reconnaissance, nous devons demeurer chrétiens, enfants de Dieu. C'est un témoignage de reconnaissance. Sinon, tu peux être enfant de Dieu et puis faire ce que tu veux. Mais le Seigneur ne veut pas que... Tu es un, bon un, un mauvais témoignage, mais au contraire, un bon témoignage pour influencer ou impacter tous ceux qui sont autour de toi. Nous allons terminer avec euh, deux exemples. D'abord, on va voir les exemples de bons témoignages et les exemples de mauvais témoignages. Voyons ensemble les exemples de bons témoignages. Premièrement, Moïse. Avec Moïse, Dieu va nous montrer le témoignage de Moïse. Un bon témoignage. Deutéronome 34, versets 10 à 12. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse mm -hmm. que l'Éternel connaissait face à face. Lui ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de son Dieu. La Bible dit qu'il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Ouais, Moïse avait un bon témoignage. Il parlait bouche à bouche avec l'Éternel. Il a vu une représentation de l'Éternel. Moïse n'était pas n'importe qui. Il avait un bon témoignage, frère. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous soyons aussi comme ça. Parce qu'il a besoin de nous, il veut nous utiliser. Pour bénir nos familles, pour bénir nos collègues des services, pour bénir les païens. Ah oui, parce que souvent, en disant il est païen, mon frère c'est un païen, c'est un sorcier, mais la bénédiction qui est sur toi là, ça couvre aussi sa vie. Souvent nos enfants ne sont pas bien, ils n'ont pas une bonne vie chrétienne, mais à cause de nous les parents. Le témoignage que nous avons là, ça les arrose aussi. Alléluia. Le deuxième personnage, c'est Josias. Deux rois, le chapitre 22, le verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en ni à droite ni à gauche. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel et il marcha dans toute la voie de l'Éternel, de David, de son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Josias, il avait un bon témoignage. Le troisième personnage, c'est Daniel. Daniel, le chapitre 6, verset 4 à 5. Il le chef... les satrapes cherchait une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mm -hmm mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle qu'on a chez lui ni faute ni rien de mauvais. Daniel était fidèle et on a perçu chez lui ni faute ni rien de mauvais. Il avait un bon témoignage. Est-ce que mon frère, tu crois depuis que tu as accepté Jésus, ça fait 15 ans tu marches avec Jésus mais on ne voit pas le changement qui est en toi. Il faut avoir un bon témoignage. Dans le langage. Avoir témoignage. Dans le comportement. Dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de faire avec les frères et sœurs. Mais tu es là, mais tu es escroc. On avait un frère comme ça qui faisait ça. Et chaque dimanche, il venait avec une vieille ordonnance. De 10 000. Et après le culte, il va raqueter les frères, les bien-aimés du Seigneur. Il vient, il vient, il vient, il vient voir Elvis. Ah, frère Évis, vraiment, dans ces temps-ci, il y a des problèmes. Ah, voici une ordonnance. Le frère lui donne 10 000. Il quitte là, il va voir l'évangéliste à Adélaï. Adé. Adé, il sait que vraiment, tu es une femme qui est bien. Tu ne refuses jamais quand on vient vers toi. Et puis, Adé donne 10 000. Ça fait combien de mille 000 20 000. Franc CFA. Il vient voir le, hein, le, hein, mon bien-aimé papa, Série, Émile. Oh, le vieux. Vous allez là, de l'autre côté là, ça. Le vieux. Il lui donne 10 000. Il vient voir maman hein, euh, 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 à, à, créer, à créer Louise. Oh, la vieille mère! Et comment elle a compassion? Qu'est-ce qu'elle fait? 10 000. Ça fait combien de Il vient voir le papa. Papa Patrick. Oh non, papa Patrick, tu, tu es un homme qui est bien! Non, non, dans cette église-là même, non, non. Tu es exceptionnel. Tout ça, ce sont les paroles pour faire quoi? Pour gagner son cœur. Papa Patrick aussi enlève 10 000. Ça veut combien de mille 50 000. Ce jour-là, il a eu 50 000. Mais qu'il n'a pas fait offrande. Il n'a rien donné. Ce type-là, ce, ce, ce genre de frères là, est-ce que mes frères, ils peuvent permettre que Dieu se manifeste au milieu de nous Jamais. Il n'a pas un bon témoignage. Cinquième personnage, les chrétiens Béret, Acte le chapitre 17, verset 10 à 20. Les chrétiens de Béret avait un bon témoignage. La Bible qu'ils examinaient à la lettre. Quand Paul prêche, arrivé à la maison, ils vont, ré, ils vont, ils vont reprendre l'étude, le message. Ah, vraiment, ah, ça, on va mettre en pratique parce que ça vient de Dieu. C'est ce qui a fait d'eux des chrétiens dynamiques, efficaces, inébranlables. Ils ont marqué leur époque, ils ont marqué les générations. Dieu veut que tu marques ta génération. Dis Amen. amen. Oui, bon comportement, bon témoignage. C'est ce que Dieu nous demande. Gardons notre bon témoignage. Dans les aiguilles des maisons, tu dois garder ton bon témoignage. Parce que si tu n'as pas bon témoignage, le frère qui va, il ne va pas aller chez toi. Il n'a pas aller là-bas. Il dit, ah si celui-là vient à moi, il ne vient pas là-bas. Hein? Alors que Dieu a dit quoi? Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, il est sur au milieu de nous. Mais celui qui est venu deux, et là ou deux, deux, ou trois. On est trois, mais le troisième là n'a pas bon témoignage. Et à cause de lui, Jésus ne descend pas. On prie, on prie on y hier. Sixième personnage, Paul, Acte le chapitre 20, verset 20 à 22. Oui, allons. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile. Et que je n'ai pas caché de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. Dans les maisons, aiguille des maisons. Il a prêché dans le temple, il a prêché dans les maisons. Il a visité le temple, il a visité les maisons. Mais il avait un beau témoignage à Paul, sinon on n'allait pas accepter son message. Paul a persécuté les chrétiens, mais après, quand il s'est ressaisi, il est revenu à Jésus-Christ. Regardez comment Jésus a commencé à travailler avec lui et pas lui. Et son témoignage a marqué les gens. Les gens voulaient le tuer, mais à cause de ce que Paul. Avec un bon témoignage, Dieu se manifestait par sa vie. Mais frère, aujourd'hui, Dieu veut continuer de travailler. Il veut passer par toi pour bénir tes frères. Mais ton témoignage bloque le Seigneur. Quel est ton témoignage ce matin Nous nous rassemblons dans le temple. C'est parce qu'on a un bon témoignage qu'on vient ici. Quand nous allons dans les grilles des maisons, c'est parce qu'on a un bon témoignage. Quand nous allons évangéliser, c'est notre témoignage qui nous accompagne. Quand nous allons rendre visite dans, dans les familles, si on n'a pas bon témoignage, on ne va pas nous recevoir. Tu entends? Et la personne vient regarder dans l'œil de Judas. Il dit, c'est qui ça C'est la sœur là. Ça, ça, elle n'a pas bon témoignage. Elle vient là-bas, gâtez tout ici. Non, elle est là, mais elle n'ouvre pas. Ça se passe comme ça, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais si c'est pas vrai c'est vrai? C'est ça. Ton témoignage te fait fuir, fait fuir les frères, les sœurs. On ne peut pas te recevoir, on ne peut pas t'accueillir parce que tu n'as pas bon témoignage. Alors que tu es au milieu de nous. Bien aimé, le témoignage compte dans le réveil spirituel. Ah oui, on dit œuvre vraie mission, Dieu travaille, Dieu est là, mais c'est à cause de notre bon témoignage? Si on n'a pas de bon témoignage, vous, monsieur, mes frères, les gens ne vont pas venir ici. Si vos pasteurs n'ont pas de bon témoignage, est-ce que vous allez venir voir Toi, tu es femme, tu viens voir par un homme. Vous êtes seul, seul, seul. Quelqu'un qui n'a pas de bon témoignage, tu vas venir faire un témoignage avec lui. Mais tu es foutu. Gloire au Seigneur. Nous allons terminer avec les exemples de mauvais témoignages. Les mauvais témoignages sont des obstacles à notre succès et à notre bénédiction. Les mauvais témoignages sont des obstacles. Quand quelqu'un a un mauvais témoignage, c'est un obstacle à son succès. C'est un obstacle à sa bénédiction. Oui Ah, c'est toi. Ah, d'accord, j'ai compris. Bon, tu repasses. Et puis tu viens, on dit non, il n'y a pas de travail, parce qu'on connaît ton témoignage. Tu es dans le fichier. On sait qui tu es. Tu n'es pas un bon frère, tu n'es pas une bonne sœur. Le premier personnage, par rapport au mauvais témoignage, c'est Satan. Ésaïe chapitre 14, versets 11 à 16. Ta Satan. magnificence est descendue dans le séjour des morts, mm -hmm. avec le son et les luttes. Sous toi est une couche de verre, oui. et les verres sont ta couverture. Quelqu'un qui n'a pas bon témoignage, là, il a maté la verre. Tu peux dormir avec ta couette, ta couette a ses verres de mais tu auras, vas te chatouiller la nuit, tu, tu, tu dis mais tu, tu euh, non, Satan n'avait pas bon témoignage, c'est pour ça qu'il est devenu comme ça, oui, Te voilà tomber du ciel, as brillant, tu vois tomber, tu es tombé parce que tu n'as pas bon témoignage, tu, tu vas tomber, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'enleverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ah, il dit, il sera au-dessus des anges de Dieu. Étoiles de Dieu, elles sont les anges de Dieu. Je vais me mettre au-dessus. Dieu sera en bas, moi, il sera en haut. Quelqu'un qui a témoigné comme ça, tu peux l'accepter Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Centurion. Uh -huh. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Il dit, il sera semblable au Très-Haut. Égalité. Dieu, on a la même chose. C'est moi qui t'ai créé comment, ouais? de même moi. Il n'a pas bon témoignage. Tu as fini même tu, es, tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la force. Vous Il a été précipité. Il a chuté. Dieu l'a chassé. Quand une jeune fille n'a pas un bon témoignage dans la maison de sa mère, de son père, elle ne peut pas durer longtemps. On la met dehors, le sort. C'est la même chose, un fils. Bien-aimés, nous sommes fils, les bien-aimés et, et les bien-aimés du Seigneur, les bien-aimés fils du Seigneur, les bien-aimés fils du Seigneur. Nous devons garder notre bon témoignage pour que Dieu soit toujours avec nous. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Le deuxième personnage qui a eu un mauvais témoignage, c'est la femme adultère. Jean 8, verset 4. T il la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ah, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est pour cela que nous voulons la tuer. Mauvais témoignage. Est-ce que ce matin, tu as un bon témoignage? Le Seigneur te dit de garder ce bon témoignage. Parce qu'il en a besoin. Il veut utiliser tes témoignages, pour a éclater sa gloire. Oui. Bientôt nous irons en Suède. Si on n'a pas de bon témoignage, les cieux doivent nous chasser. Et ils sont venus, ils ont tout gâté ici. Jacques, eh? c'est ça, non Hôtel, là. Hmm? Ils vont. Ils, eh? Souvent, même les buffets à volonté, là, même là. Souvent, tu manges jusqu'à. Et puis, tu, tu, tu laisses. Eh? Tu as rempli ta, eh, ton assiette, et puis, tu ne manges Il a pas tout. Tu n'as pas un beau témoignage Il dit non. Il ici, là, c'est un gogo. C'est un gogo. Donc, on va manger. Ah! Et puis, tu remplis ton assiette. Tu mets riz, tu mets salade, tu mets quoi encore Viande, tu mets poisson, tu mets sardine, tu mets tu, 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 mais ça fait peur. Et puis tu n'arrives pas à tout manger. C'est pas un bon témoignage ça. Et c'est pas bien. Quand tu te sers, sers-toi ce qui peut te rassasier. là, prends ça. On dit buffet à. Oui. On dit tu peux commencer petit. Et puis tu progresses. Et puis tu, tu grandis. Tu t'en vas et puis voilà. Tu es au top. Mais toi, tu fais un coup, boah! Et puis tu ne peux pas tout manger. Ça, ce n'est pas un bon témoignage. Demain, là, je ne vais pas t'inviter chez moi. Ou bien la maman, c'est ça, non? Il y a des frères, quand ils vont chez les gens, ils vont remplir les assiettes. Ils les mettaient. Il dit Mon frère, c'est doucement. Mais, lui, ah, mais, fia, fia, mais il ne peut pas tout manger. Demain, là, moi, j'ai vu ça. Demain, là. tu ne viens pas chez moi. Hein? Ce n'est pas la méchanceté. Un, tu n'as pas un bon témoignage. C'est un gaspilleur. Le gaspillage là. Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec le gaspillage. On est en France on a tout ici. Mais souvent on gaspille les choses ici. Le troisième et le dernier personnage qui a eu un mauvais témoignage, c'est Géazi. Son nom même là, ça fait peur. Géasi. Deux rois, le chapitre 5, 26 à 27. Lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque ce homme a quitté son char pour venir à la, ta rencontre. Hmm. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre les vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes La lèpre de Naaman s'attachera à toi, à ta postérité, pour toujours. Et Géazi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Vous voyez Géazi était reconnu comme un menteur et un voleur. nest pas un bon témoignage C'est que ton maître n'a pas pris de la toi tu passes derrière pour prendre. Mais la lèpre là, hein de ce général, ça va tomber sur toi? Bien-aimé, gardons notre bon témoignage. Faisons tout. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu veut se servir de toi et de moi pour que son nom soit connu de tous. Mais ton témoignage compte. C'est ce que Dieu regarde. C'est n'est pas ton témoignage que Dieu va te juger au ciel. Le témoignage nous accompagne. Ah oui? Ça nous accompagne. En conclusion? Dieu veut nous voir grandir dans la marche avec lui. Pour ce faire, cultivons et conservons en nous notre bon témoignage agréable à Dieu. Il faut que ton témoignage soit agréable à Dieu. Quand Dieu te voit, comme il a dit, de son serviteur Job, à Satan, il dit, voici, est-ce que tu as bien remarqué, est-ce que tu as bien vu mon serviteur Job Il n'y a personne comme nous sur la terre. Hein? Si Dieu pouvait dire ça chaque jour, de toi et de moi, mes frères, nous serons très contents de servir Dieu, d'appartenir à Dieu. Quand il nous convoque, on est là parce qu'il dit, il cite notre nom tous les jours. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il ne ferait pas que le Seigneur dise il n'y a personne comme toi, voleur sur la terre. Il y a des voleurs, il y a, il y a des gens qui sont comme toi. Mais. Bon témoignage, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir bon témoignage comme toi. C'est pour cela, ce matin, le Seigneur te dit qu'il a encore besoin de toi pour faire éclater sa gloire. Mais ton témoignage, l'intéresse. Dis ça à ton frère. Dieu a besoin encore, il a encore besoin de toi. Mais ton témoignage, l'intéresse. Ah, moi, je ne sais pas encore fini, hein Jésus encore besoin de mon témoignage intéresse Dieu. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous. Nous avons un sauveur, son nom est Jésus. Son nom est Jésus, c'est le fils de Dieu. Nous avons un sauveur. Son nom est Jésus. C'est le fils de Dieu. Nous avons un sauveur. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. C'est le fils de Dieu. Nous avons un sauveur. Son nom c'est Jésus. Lève les deux mains vers le ciel. Son nom est Jésus. C'est le fils de Dieu. Nous avons et sauveur, son nom est Jésus, son nom est Jésus, c'est le fils de Dieu, Nous avons un sauveur, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, c'est le fils de Dieu. abiyamo abatore son nome est jesu son nome est jesu infilio de di dieu nous avons. son vin hey. son nom c' est jésu son nom c' est jésu c' est le fils de dieu habi amousa bato ré ɔnɔmé é diésu ɔnɔmé é diésu éphilio di dié ooo. Hey! son nom c' est jesus son nom c' est jesus c' est le fils de dieu. Abia Moussabatoré, son nom di hey. hey. est Jésus, son nom est Jésus, le Fils de Dieu sabatore, Son est Sauveur, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu Abia Moussabatoré, son nom est Jésus son nom est Jésus, un, un Fils de Dieu. Nous avons un Sauveur, son nom c'est Jésus. Alléluia, Son nom c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Nous avons un Sauveur, son nom est Jésus, son nom est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Nous avons Oh.